alaikum et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie dans laquelle nous allons vous présenter la nouvelle Genuino 101 ou bien l'Arduino 101 pour les États-Unis seulement, mais ça c'est une autre histoire. Alors, nous allons ouvrir la boîte. Nous avons notre carte protégée par un film antistatique. Nous avons comme toujours une petite fiche avec quelques informations pour l'utilisation en toute sécurité de la carte. Alors, nous allons ouvrir la carte. Et voilà notre carte Genuino 101. Pour commencer, l'on peut remarquer que la carte reprend à peu de choses près le format de l'Arduino Uno. Donc vous pouvez le voir, les mêmes connectiques et les mêmes dimensions. Cette ressemblance est dans la forme seulement, car pour le reste, elle diffère de sa grande sœur sur plusieurs points. Car elle dispose, à ce niveau, d'un processeur Intel Curie qui est un dual core X86 Quark 32 bits cadencé à 32 MHz. Elle dispose aussi de 24 kg de RAM, de 196 kg de mémoire flash, au lieu des 32 kg de l'Arduino Uno. Il est à signaler qu'elle utilise une tension de fonctionnement pour les entrées-sorties de 3,3 volts et avec une tolérance aux 5 volts, ce qui la rend largement compatible avec la grande famille des shields que contient l'écosystème Arduino. Elle dispose de 20 entrées-sorties, 6 analogiques à ce niveau, qui sont similaires à ceux de l'Arduino Uno, 14 à ce niveau. La seule différence est au niveau du nombre de sorties PWM, qui sont ici limitées à 4 au lieu des 6 pour l'Arduino Uno. Elle intègre aussi une connexion Bluetooth Low Energy avec une antenne à ce niveau, ainsi qu'un accéléromètre et un gyroscope à 6 axes. La carte vient avec un système d'exploitation temps réel développé par Intel et qui sera open source très prochainement. Mais la carte reste programmable avec l'IDE Arduino bien sûr. Pour ce qui est de la compatibilité avec le grand nombre de librairies développées pour l'Arduino, il faut attendre un certain temps, le temps que ces librairies soient portées à cette nouvelle plateforme. Voilà, c'est tout pour cette courte présentation de la Genuino 101. Dans nos prochaines vidéos, nous allons explorer plus en profondeur les possibilités offertes par cette nouvelle arrivante dans la famille Arduino. D'ici là, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos actualités et à nous suivre sur notre page ou bien notre groupe sur Facebook. Et d'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.